Et yo les potes, c'est Kenyan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications, voilà. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter 10 dessins que j'ai fait sur YouTube, voilà. J'ai fait cette vidéo car il y a énormément de personnes qui me demandent de, ouais, tu peux montrer tes dessins et tout ça. Donc je vais vous présenter mes 10 plus beaux dessins que j'ai fait sur YouTube. Franchement, ils sont incroyables, voilà. Donc alors, on commence déjà par le tout premier dessin que j'ai fait en 2019. Donc ça, c'est grâce à chat dessin que je pouvais reproduire ce dessin. Sinon, bah, je l'aurais jamais fait. Donc si c'est chat dessin, tu passes cette vidéo, tu me diras à quoi ce que tu en penses, voilà. Donc c'est le skin burger, voilà. Donc en mini boys comme ça, donc il est petit. Voilà, donc il est vraiment stylé. Donc celui-là, il m'a pris à peu près une heure à le faire parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que la tête, elle était un peu dégueulasse. Voilà. Donc franchement, j'aime vraiment ce dessin. Voilà. Donc c'est pas mon préféré, mais franchement, il gère. Alors ensuite, on passe au skin Deadpool. Ok, donc c'est un skin. Donc c'est le dessin. Un dessin que j'ai fait il y a 2 ans à peu près. Voilà, donc. Ce dessin, je l'ai vu sur internet, donc tu devais écrire Deadpool et je pouvais reproduire le dessin. Donc le dessin, il est vraiment hyper stylé, donc en noir et blanc, voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà. Franchement, ce dessin, il m'a pris, je sais pas, même pas entre, je dirais, 20 minutes. Franchement, voilà. Ensuite, on passe avec le troisième dessin, donc c'est le dessin, un dessin Dragon Ball Z, voilà. Aura Black, Goku, celui-là les gars il m'a pris 3 heures. Franchement, une petite image comme ça, 3 heures. Donc j'avais pas encore les feutres alcool comme j'ai maintenant. Donc là, le gros pack de 80 feutres et le petit pack de 40. J'avais pas de feutres alcool, donc je me suis débrouillé. Donc alors, donc, je vous explique comment je l'ai fait. Donc là, j'ai pris un feutre rose. Donc là, j'ai pris du brun, du beige, du rouge. J'ai pris de la craie grasse, des crèmes couleur. Et franchement, ça a donné ça. Donc là, j'ai un peu déraillé en bas, mais sinon, franchement, j'aime bien, il est stylé, je me suis bien débrouillé. Donc je l'ai fait il y a 2-3 ans, voilà, donc ça m'a pris 3 heures à le faire, c'est vraiment chaud. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment des dessins cachés que je vous ai jamais montré, mais franchement, ça me fait hyper plaisir de vous les montrer, voilà. Ensuite, on se retrouve... Donc là, on se retrouve de nouveau à un dessin de chat dessin, donc c'est grâce à lui que je peux le reproduire, ce dessin-là. Donc franchement, ça c'est mon dessin préféré, la vérité. Ce dessin là il m'a pris 2 heures. Franchement 2 heures, hein. Voilà, donc je suis pas vraiment allé dans les détails. Donc j'ai juste mis un peu des couleurs foncées claires en même temps pour que ça fasse des effets. Mais franchement, il est hyper stylé. Je me suis vraiment bien débrouillé, voilà. Donc là, je sais pas s'il y a marqué une date. Non, dommage. Ouais, je crois que je l'ai fait il y a un an quand il était en live, si je m'en souviens. Ensuite, on se retrouve avec le concert de Marshmello. Hein. Donc ça, c'est un dessin, c'est moi-même qui l'a fait cette fois. Je l'ai fait sur YouTube. Voilà, donc vu qu'elle a fait 1600 vues avec 50 likes. Donc la vidéo, elle vous a vraiment plu. Moi, ce dessin, franchement, il était assez facile à le faire. Donc il fallait juste faire un petit peu de déco. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé ce dessin. Ensuite, ça c'est le dessin Deadpool. Donc pour moi, c'est un de mes dessins préférés. Parce que franchement, j'ai même pas dépassé. Je le trouve hyper stylé. Voilà. Donc j'ai publié la vidéo aujourd'hui. J'avais déjà publié la vidéo aujourd'hui de ce dessin. Voilà. J'ai vraiment pas les mots pour le dire. Hein, parce que donc, ce dessin, il m'a pris 20 minutes aussi à peu près. Et je me suis bien débrouillé. Voilà. Franchement. Ok. Ensuite, on se retrouve avec un autre dessin. Donc ça aussi, c'est moi qui l'a fait. Donc j'ai pas mis sur YouTube. Donc j'ai pas filmé. Donc je suis vraiment désolée. J'ai voulu filmer. Donc normalement, c'était un dessin spécial 2000 abonnés, mais je l'ai pas publié. Je sais même plus pourquoi en fait. Il y avait un petit problème de caméra, voilà. Donc là, ce dessin, je l'ai fait en 2018. Ouais, donc il y a à peu près il y a un an, 2 ans. Franchement, un an et demi. Ouais, il y a un an et demi, je l'ai fait. Et franchement, il m'a pris 2 heures. 2 heures à le faire. Voilà. Donc, je le trouve vraiment assez stylé avec les feutres alcool. Même si ici, il y a un peu de traces. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai... Ouais. Voilà.
Donc pour moi c'est mon deuxième, pour moi c'est le dessin, mon deuxième, le deuxième je pense. Franchement je vais le mettre en deuxième, en top classement. Ensuite on se retrouve avec le Ragnarok, peu importe. Ce dessin là, il m'a pris 3 heures, la vérité 3 heures, parce que les détails là, ils étaient vraiment hyper chauds. Donc ça aussi je l'avais fait en live, mais le live je l'ai supprimé. Voilà, voilà. Mais franchement, il est vraiment hyper bien fait. Pour moi, ça, je vais le mettre en top 3. Vraiment en top 3 parce que il m'a pris énormément de temps. J'ai vraiment fait de mon mieux. Et franchement, ça m'a donné un hyper beau résultat. Voilà, donc vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Et pour le dernier dessin, pour le tout dernier dessin... Ah non, c'est pas le dernier, excusez-moi. Ouais, je me suis trompée. Donc là, on se retrouve avec le Goku. Donc là, j'ai mis la nouvelle transformation. Donc je sais plus c'est quoi. Donc c'est le Ultra Instinct, si je m'en souviens bien. Alors franchement, la tête. Ouais, donc là, la tête, je trouve qu'elle est un peu pas dégueulasse, mais il y a un petit problème. Mais le corps, je l'ai super bien fait. La vérité, je l'ai super bien fait. Le corps, donc ça, en crayon. J'ai fait un crayon de couleur avec... Ah non, juste un crayon de couleur avec un petit feutre brun. Sinon, franchement, il est trop classe. La vérité, il est trop classe. Je me demande pourquoi je l'ai pas fait en vidéo, quand même. Voilà, donc je l'ai fait en 2018. Je m'en souviens bien, donc j'avais 12 ans. Ouais. Non, franchement, il est bien, il est bien. Et là, on se retrouve pour les derniers dessins. Donc ça, c'était un flingue Apex. Donc je suis désolée, je m'en souviens plus du nom. Je l'ai fait en vidéo. Et il y a pas mal de gens qui ont dit qu'il était bien, franchement même très bien, que j'ai vraiment fait les détails, que j'ai super bien reproduit. Alors c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10, dans mon top classement, voilà. Donc ce dessin il m'a pris 30 minutes à faire, donc j'ai enlevé du temps dans le montage pour publier la vidéo, voilà. Donc 30 minutes à faire, donc franchement ça m'a donné un super beau résultat, donc j'en suis vraiment fière aussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top, voilà. Voilà, voilà, donc je vous ai présenté mes 10 plus beaux dessins que j'ai fait. Voilà, il y a... Ouais, que j'ai fait, pardon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. S'il y a 50 likes sur cette vidéo, je vous présente tous les dessins du plus petit, dire depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant. Voilà. Donc mon évolution de dessin, s'il y a 50 likes, voilà, je vous présente tous mes dessins. Donc abonnez-vous en activant la cloche de notification et je vous dis ben ciao pour une prochaine vidéo les gars.